Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle. On va encore parler de son anniversaire. Décidément, les gens ne s'en sont pas remis. L'apparition de Meghan Markle dans cette vidéo pour son anniversaire fait toujours couler de l'encre. Et sincèrement, ça en devient ridicule. Je vous assure, je n'ai jamais vu ça. Meghan Markle n'était plus apparue devant les écrans depuis quelques mois déjà. On l'avait plus vue. Une fois qu'elle apparaît, c'est l'événement du siècle. Comme si, je sais pas qui Michael Jackson était apparu, parce que dans tout le monde entier, jusqu'en Inde, en Russie, on parle d'elle. Et cette fois-ci, on parle en fait de Piers Morgan. À la une de tous les journaux, de la plupart des journaux en Angleterre, il y a marqué Piers Morgan snob Meghan Markle en n'écrivant pas un mot par rapport à son anniversaire. Bon, en fait, il veut dire que Piers Morgan n'a pas discuté de Meghan Markle comme il fait d'habitude. Il n'a rien fait par rapport à son apparition publique. Les gens, peut-être, s'attendaient à ce qu'il dise quelque chose. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça fait au moins plus de 2 ans que Meghan Markle snob Piers Morgan. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, ce monsieur passe son temps à parler de Meghan Markle, il passe son temps à écrire des horreurs sur elle, mais elle ne répond jamais. Donc cette histoire de qu'il snob Meghan Markle en ne mentionnant pas son anniversaire est complètement stupide, parce qu'à la base, c'est Meghan Markle qui n'a pas le temps pour ce monsieur-là. Donc je parle de lui parce que ce sont des nouvelles qui nous sont remontées, enfin nous les fans, hein. Et je voulais discuter dessus. Et aussi, je voulais m'étonner de l'impact qu'a eu cet anniversaire sur les gens. Je trouve ça incroyable. Je vous assure, quand vous regardez les journaux, ils sont obsédés. Dans tous les journaux, en Angleterre, dans la télé anglaise, en Australie, en Inde. Même en Inde, je vous assure, on parle de Meghan Markle. C'est de la folie, c'est pire que de l'acharnement. Je n'ai jamais vu ça. Pourtant, on nous répète tous les jours que, oui, Meghan Markle, elle n'est pas importante. Elle est irrelevant, comme ils l'ont dit en anglais. Et qu'elle ne compte pas. Pourtant, ils sont obsédés. C'est grave. Anywho, pendant qu'ils perdent leur temps à parler de la vie de Meghan, ben Meghan Markle, la duchesse de Sussex, vit sa vie, elle vit sa meilleure vie. Donc ils peuvent écrire des tonnes dessus, je crois pas que ça la touche ou que ça l'atteigne. Elle est toujours en avance, ce sont toujours les gens qui réagissent par rapport à ce qu'elle a fait et qui écrivent ensuite et qui analysent ce qu'elle a fait. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste.